Salut, c'est Slipper Bill. Aujourd'hui, je vous présente la nouveauté de chez Earthquaker Devices, la spéciale Cranker. Donc aujourd'hui une pédale d'overdrive de la marque américaine Earthquaker Devices, la Special Cranker, qui, comme certains l'auront peut-être remarqué, est l'évolution directe de la Speaker Cranker, un ancien modèle d'overdrive de chez Earthquaker, qui avait pour particularité d'avoir un seul potard, un seul bouton de gain qui s'appelait mort et qu'on retrouve juste ici, où j'expliquerai ça tout de suite après. Cette pédale d'overdrive avait pour nature d'apporter pas mal de gains tout en gardant l'intégrité de votre son. Ça donnait juste beaucoup plus de richesse et de compression, surtout quand on allait au maximum du réglage. Voilà, c'était déjà une très bonne pédale, mais Earthquaker Devices a eu l'idée de la faire évoluer avec 2-3 petites options qui sont franchement plutôt cool, plutôt pratiques. On retrouve donc 3 potards, un potard qui s'appelle mort, celui dont je viens de vous parler, qui est tout simplement le potard de gain, plus vous allez le pousser, plus vous allez avoir de puissance. À gauche, vous avez un potard qui s'appelle level, voilà, c'est tout simplement pour régler votre niveau. On peut aller vraiment très très loin en termes de boost de niveau, c'est franchement pas mal en fonction des guitares, des micros que vous aurez et de l'ampli que vous utiliserez. Ça pourrait être franchement être très pratique. Et en dessous, on a un potard de tone, voilà. Vous allez pouvoir gérer la présence, vos aigus en fait, plutôt. C'est plutôt pratique, même chose en fonction des guitares que vous utiliserez. Et ici, le petit switch que j'ai là, c'est tout simplement pour passer d'un clipping au germanium et au silicium. Voilà, ça vous permettra au mode germanium de garder un son plutôt vintage, assez chaleureux, avec un peu moins de gain. Et sur le mode silicium, avoir quelque chose de beaucoup plus moderne, plus tranchant, avec plus de gain. Voilà. On retrouve après tout simplement le switch d'activation, les entrées et sorties de jack et l'alimentation 9 volts classique qu'on retrouve sur toutes les pédales du marché, en tout cas une grande majorité. Cette Special Cranker est true bypass, donc vous pourrez l'insérer absolument où vous voulez sur votre pédalboard. Elle marche très très bien comme vous allez le voir avec un ampli qui sature déjà ou simplement avec une pédale de saturation derrière. Voilà, ça apporte vraiment pas mal de richesse, vous allez l'entendre tout de suite. C'est assez pratique et c'est franchement bien amené, bien trouvé d'avoir ajouté ce potard de volume et ce potard de tone avec ce réglage aussi silicium-germanium. Ça rend la pédale beaucoup plus polyvalente et puis vraiment ça apporte beaucoup de richesse à votre son. Vous allez l'entendre, c'est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que, comme d'habitude, je vais la brancher pour que vous puissiez entendre ce que ça donne avec plusieurs guitares, plusieurs types de sons. Je vais utiliser aujourd'hui un Rev D20, donc un ampli très transparent, avec un clean très transparent. J'utiliserai aussi le pull boost qui est intégré pour donner un peu de gain et que vous voyez ce que ça donne avec, avec du gain déjà en amont de la pédale. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour mon avis. A tout de suite!
We'll be right back.
donc pour cette spéciale Cranker de chez Earthquaker Devices. Vous l'avez entendu, c'est un drive, un boost, un petit peu les deux. En tout cas, une pédale qui apporte beaucoup de richesse, de compression et de gain évidemment à votre son. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé le réglage germanium avec le gain au maximum. Voilà, je trouve que c'est très chaud, très chaleureux. Mais étonnamment, j'ai aussi été assez agréablement surpris par le mode silicium qui est pourtant beaucoup plus moderne, beaucoup plus tranchant. Je trouvais qu'avec la Gibson Midtown, ça marchait vachement bien. C'est un son très hard rock, punk rock, quelque chose comme ça. C'est franchement cool. Et puis avec l'humbucker, ça apporte une facilité de jeu. Enfin voilà, ça compresse, ça donne vraiment beaucoup de richesse au son. Les médiums sont bien mis en avant. Donc forcément, ça facilite votre jeu. Mais franchement, j'ai trouvé ça bien. Réglage de tone est très précis. Réglage de volume est très puissant. Ça va très très loin en termes de volume. Donc ça peut s'adapter vraiment à tout type de guitare, de jeu, d'ampli. Voilà. Et puis comme vous l'avez entendu, ça marche très très bien quand on a déjà un ampli qui crunch un petit peu derrière. C'est même là, je trouve, qu'elle marche le mieux. Voilà, donc si vous cherchez un drive, un boost pour sculpter votre son de manière plus précise que ne le faisait la Speaker Cranker, mais toujours avec ce gain significatif, cette richesse dans le son et cette compression, et bien allez essayer cette spéciale Cranker de chez Earthquaker Devices, parce que franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, et à me laisser des commentaires ici. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions de vidéos, je prendrai plaisir à y répondre, donc n'hésitez pas. C'était Sleeper Bill, un grand merci à tous de m'avoir suivi, et à très bientôt.